Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, Diamond Painting, je vous entends derrière l'écran, youpi, c'est du Diamond Painting. Et oui, alors c'est avec le DP la Kokeshi et aujourd'hui c'est la fin, ça y est, je l'ai terminé, youpi, j'ai réussi à la finir, enfin elle n'était pas longue à faire, hein. Voilà. Elle est terminée, donc vous avez vu, hein, ça n'a vraiment pas été long à faire. J'ai beaucoup aimé l'affaire. Et vous avez peut-être déjà pu voir dans la vidéo juste avant que j'ai fait par un moment des collages de plusieurs perles d'un coup, de 3, 4, 5. 5, 6 perles, je crois. Voilà. Et là, j'ai fait pareil parce que j'avais les grandes surfaces pour terminer de toute une couleur pareil. Donc, j'ai utilisé la technique de faire plusieurs, de coller plusieurs perles en même temps. Voilà. J'ai pas encore essayé les petits rouleaux hein, que j'avais eu la dernière fois. Bon, j'essaierai, hein, mais là, j'ai pas encore tenté. Je vais peut-être essayer pour le prochain. Parce qu'il y a des grandes surfaces aussi à faire. Et donc, j'essaierai peut-être sur celui-là. Sur celui que vous savez que je ne retrouvais pas les perles. Et que les perles sont là, sur mon bureau. Que voulez-vous? Je suis vieille, hein? Je perds la tête. Alors, voilà. La Kokeshi est terminée. Là d'ailleurs, je vais même l'encadrer cette semaine parce qu'elle va partir. Voilà, elle va partir chez une amie, voilà, qui l'aime beaucoup et qui me l'a demandé. Donc, je vais l'encadrer et elle va partir bien emballée. Là, il va falloir que j'emballe très très bien. Et elle va prendre la route, la Kokeshi. Voilà. Donc je ne la garde pas. Sinon, bah, la prochaine que je vais faire, que je vais mettre en route, donc c'est celle que je ne retrouvais pas les perles. Ce sera la celle, c'est une fée donc, que j'avais eue à la boutique L'Éternel. Voilà. Donc je vais m'occuper de ça cette semaine. Enfin, cette semaine, ça va être un peu dur. Parce que là, je vais peut-être faire la commencer la semaine prochaine. Parce que là, cette semaine, qu'est-ce que j'ai à faire? Bon, je dois finir de m'occuper des ventes, enfin finir, continuer à m'occuper des ventes du groupe, de mon vide-atelier. Je dois aller emmener les colis, bien sûr. Et vendredi, on ne peut pas bouger parce que on a changé de fournisseur d'accès internet. On était chez SFR et à partir de ce 24 juillet, non, le 25 juillet, ma facture augmentait de 20 euros. Donc j'ai changé de fournisseur. Et je suis repartie chez Free, là où j'étais avant. mais en fibre, hein. Avant j'étais chez Free, mais en normal. Et là maintenant, je repars chez Free, mais en fibre. Donc là, ça va me coûter beaucoup moins cher. Et parce que là, bah, ouais, c'est faire. À partir du 25 juillet, ça m'aurait coûté. Là, je paye 40, 44, bon, enfin 45. Non, ne marche pas sur l'ordi. Merci, c'est gentil. Viens, maman, là. Je paye 45 euros par mois. Et là, bah, du coup, j'aurais payé 65 euros par mois. Tout, tout, tout. Oh oui, mais mets pas ta tête devant. Viens, maman. Voilà. Donc, 65 euros pour un abonnement internet, la télé, c'est bon, hein. Faut pas pousser. Donc, on fait marcher la concurrence et, ben, et on va ailleurs. Voilà.
Et là, je ferai pareil avec mes abonnements téléphone. Dès que la... Comment on appelle ça? L'engagement sera terminé. Je sais pas où j'étais chercher ce mot-là. Je renvoie tout chez Free. Parce que là, c'est pareil, je paye 25 euros ouais, pour moi, 25 euros pour Chouchou, donc ça nous fait 50 euros par mois. Alors que chez Free, je vais payer 20 euros pour nous deux. Donc entre 50 euros et 20 euros, il n'y a pas photo. Donc, mais là, mes engagements ne sont pas terminés pour mes téléphones, donc je peux pas les changer maintenant. Donc voilà. Et donc maintenant, c'est la chasse à celui qui fait le moins cher. Hein. Là, c'est pareil. J'ai été obligée de changer de mutuelle, enfin d'assureur, parce que mon assureur n'a qu'une seule jour, un seul jour de prélèvement. Il ne prélève que le 3 du mois, mais le 3 du mois, nous, nos pensions, on ne les a pas, on les a en moyenne le 8 du mois, et donc on a changé d'assureur, mais en changeant d'assureur, avant, mon mari était considéré comme fonctionnaire, mais bon, il n'était pas vraiment fonctionnaire, mais il faisait partie de, il travaillait dans les écoles, donc il se quand même considéré comme un fonctionnaire pour les assurances, donc il en payait pas cher, enfin, pas cher, façon de parler, hein. Mais enfin, c'était moins cher que ce qu'on paye maintenant. Alors, ce que j'ai, et donc là. Je vais rechanger d'assureur et je vais chercher pour le mois de mai prochain. Il faut que je retrouve un nouvel assureur pour ma mutuelle, la voiture, tout ça. Voilà. Donc, si vous avez des bonnes assurances ou vous payez pas cher. En sachant que nous, ben justement, mon mari est à la retraite, moi en invalidité, donc on n'est pas un couple de jeunes. Donc parce que nous, les vieux, on paye plus cher. Hein. Donc si vous savez me conseiller une assurance où on ne paierait pas cher, hein, sauf Groupama, puisqu'on est là actuellement chez Groupama. Et sauf GMF, puisqu'on est sorti de GMF. Donc, à part GMF et Groupama, si vous savez me conseiller une assurance où je peux mettre tout, la mutuelle, la voiture, etc., et qui me coûterait moins cher, dites-le moi en commentaire. Tous les bons conseils sont bons à prendre. Voilà. Bon, c'était pas le but de la vidéo, mais voilà. Donc, c'est vrai que si on peut grappiller un petit peu à droite, à gauche, c'est toujours bon à prendre. Voilà. Ceci dit, je ferme la parenthèse. et donc, voilà. Aujourd'hui, vous allez voir donc la fin de mon diamond painting. J'espère que ça va vous plaire. Et la semaine prochaine, vous verrez le début d'un nouveau. Voilà. Allez, je vous laisse regarder. Et cette fois-ci, pareil. Je remercie ma poulette, Sylvie, qui m'a fait remarquer que j'avais oublié de mettre la musique sur la vidéo de la dernière fois de Diamond Pen du DP. Je ne sais pas comment j'ai fait mon compte, j'avais oublié de mettre la musique. Donc je l'ai rajouté, j'ai réussi à rajouter la musique après. Mais là, bon, la musique y sera. Je n'ai pas oublié cette fois-ci. Allez, je vous fais des gros bisous. On se retrouve très rapidement.
Fifi est allongée sur mon bureau, donc elle vous fait des grosses léchouilles de loin. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous bisous.
Thank you.